Attention, dans cette vidéo où vous verrez la mort de beaucoup de personnages, des morts complètement what the fuck, en passant par du trash à du mystérieux. Tout vous sera dévoilé dans cet épisode. PS, cette voix est carrément pas crédible. Hey, salut les internautes, ici Jack et aujourd'hui on se retrouve sur State of Decay épisode 6 les amis. Alors la dernière fois on s'était arrêté, on avait fait la mission où on était coincé dans une cabane avec, comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait Mickey, donc je ne ferai pas de jeu de mots bizarre dessus. On était coincé dans une cabane, ça a duré pas mal de temps parce que j'ai capté qu'après que j'avais des cocktails Molotov pour les exploser plus rapidement. Donc du coup on a passé pas mal de temps dedans, mais on s'en est sorti mine de rien, j'ai réussi à tuer 3 gros lards avec des hordes de zombies qui venaient de partout. Puis on a pas mal résisté, mais bon voilà quoi. On a quand même réussi. Et puis puis voilà, aujourd'hui on va continuer, on va voir ce qui se passe. Je crois qu'en fait, attendez que je balaye les touches, voilà. Il y a une mission, je vois qu'il y a un survivant en fait ici, mais qui est prisonnier d'infestation de zombies. Donc à mon avis, j'aimerais bien moi le récupérer, l'amener dans notre base, afin d'être plus nombreux. Et il faudrait que j'aille chercher de la bouffe et des soins aussi, parce que au niveau bouffe, je suis qu'à 4 sur 25, je crois. Et en soins... Alors attendez, je vais appuyer sur tabulation. Tac. Voilà, en nourriture je suis à 4 sur 25. Les soins je suis à 1 sur 25, c'est vraiment pas bon. Même au niveau matériaux, je suis pas beaucoup. Donc il faudra essayer de remplir tout ce stock, toutes ces réserves, parce que c'est vraiment, on a vraiment pas grand chose. On se retrouve toute la nuit. C'est un peu chiant. Je vous avouerai que faire l'émission de nuit, moi, c'est pas trop mon truc. Mais écoutez, on va pas attendre le jour. Tant pis, on va y aller. Faudrait que je fasse ça. Mais cette fois-ci, je vais pas partir les mains vides. Je vais pas me faire avoir, comme la dernière fois. Je vais essayer de... Ah bah, il y a une cinématique. Est-ce que c'est vrai, non ? J'en ai bien peur, il s'est battu comme un lion, mais il ne s'est jamais remis de ses blessures. Docteur Hanson. Oh, est-ce que... Je veux dire... Est-ce qu'il a souffert ? Il est resté inconscient quasiment tout le temps, il ne s'est réveillé que quelques fois. Il a parlé de toi à la fin. Merci, thank you. Oui, donc en fait le docteur, c'est lui qu'on est allé chercher la dernière fois la mission pour qu'il soigne Ted. Donc je vois que là, tout le monde a récupéré en fait, parce que je me rappelle, on s'est arrêté la dernière fois... j'avais mon personnage principal qui avait la vie vraiment, enfin qui était blessé, du coup il pouvait pas remonter plus sa vie que maintenant. Et là du coup, comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué, du coup il a pu se rétablir. Parce qu'en fait le jeu, je crois que si vous le touchez pas pendant un moment, eh ben déjà les réserves elles se vident, mais le moral des gens, enfin je veux dire la vie des gens, elle remonte au fur et à mesure. Donc j'avais dit que je changerais de personnage la prochaine fois, mais en fait j'ai même pas besoin puisque je peux garder celui-là parce qu'il s'est complètement régénéré. Donc je vais voir ce que j'ai. J'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. J'ai peut-être envie de changer. Non, je peux même pas changer d'arme. Il n'y a pas d'arme. Je vais prendre. Oh là là, on n'a plus rien. C'est grave. C'est très grave. Je vais prendre ça comme arme. Et puis je sais pas, je vais prendre calibre 22, je vais en prendre pas mal parce que bon. Mais j'ai même pas de swing. J'ai un peu de cocktail dans le top que je vais prendre. Ça c'est quoi? Je vais prendre. Café. Boisson énergétique. Ouais, on va prendre ça aussi. Puis on verra, ouais, on va essayer de s'en sortir avec ça. Il faudra vraiment que je remplisse mes réserves parce que là ça va pas le faire. Surtout si je ramène un survivant, il va dire c'est quoi ce réserve de merde, je me casse. Donc no. Je vais regarder la carte. Ok. Bon, on va essayer d'aller chercher ce survivant. Je vais y aller avec une voiture, je vais pas prendre de risque. J'aimerais bien par contre recharger avant ça, avant de sortir, recharger mon gun. Hop.
Donc là, vous pouvez voir que là, sur notre base, il n'y a pas de barbelés ici. Donc je vous déconseille fortement, quand vous voulez rentrer dans votre base, de ne pas rentrer par de l'autre côté, de pas escalader parce que les zombies vous suivent en fait. Donc vaut mieux pas tester ça. Là-bas aussi, pareil. Par contre, vous pouvez sortir de là, les zombies vous suivront après à dehors, mais re-rentrer dans la base, je vous déconseille de rentrer par là. Rentrez plutôt par le portail et vous fermez le portail derrière vous. Je suis vraiment désolé que ça soit la nuit parce que vraiment pour vous peut-être que vous voyez pas grand-chose. Tant pis. Ah, il y a mon taxi avec les portières complètement défoncées que j'avais pris la dernière fois. Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller du coup avec parce que les zombies vont rentrer dedans. Donc bah tant pis. Il faut bien l'utiliser un jour. Hein. Allez, c'est parti, on va utiliser la voiture américaine. J'entends plein de zombies. Il y a un zombie juste là. On va essayer de. Ah, elle va super vite. Hein. Elle fait un bruit de mobylette là. Horde de zombies signalés. Oh non. Cassez-vous! Lâchez-moi! Ils sont coriaces. Hein. Je tape un frein à main là. Voilà. Je fume déjà, c'est une blague ou quoi? Je vais continuer. Ah, il y a des hordes de partout. Comme d'habitude. Allez, let's go. On repasse par les chemins complètement paumés. Je sais pas si c'est par là, si c'est par là. Je vous laisse lire pendant que je conduis, je lis pas. Je suis un mec civilisé, moi. Ah, par contre, elle a un maniement pourri. Dès que tu tournes, on dirait que ça fait un frein à main. Allez, go, go, go. Salut. Non, non, je ne vais pas vous tuer. Où je vais? Oui, mais il a disparu. Non, pourquoi il a disparu? Oh non. Je suis deg. Aïe. Ils étaient pas là-dedans, là. Un truc comme ça, là. Ah, je suis dégoûté là, je voulais à tout prix avoir des survivants. Bah, elle m'a mis une mission sur la carte. Tant pis, là il y a plus de survivants. À mon avis, je suis arrivé trop tard. Ils se sont fait dévorer par les zombies. Oh là là. Oh my god, elle prend feu là? Elle a pris feu, non? Je l'ai déjà débousillé? Bon, en même temps, je conduis comme un pied. On va aller au point sur la carte qu'elle m'a mis. Ah, c'est où? Ah, il faut retourner à la cabane là. Bon, bah, allez, c'est parti. Mission accusation. Ok, on va voir ce que c'est. Encore une horde là, je vois, sur la carte. Oh là là. Bah, ouais, ces zombies là. Lâche-moi! Voilà, casse-toi. Salut! Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'ai des questions à vous poser. Accompagné Job, on a entendu des rumeurs sur la CB, des gens sortis chercher des provisions, se sont fait voler, des trucs dans le genre. Je vois, et tu représentes la loi, c'est ça? Je m'inquiète juste comme tout bon citoyen. Bien, je comprends tes inquiétudes, mais nous n'avons eu aucun problème ici, on prend soin les uns des autres. Et bien sûr, tu es au courant de rien. Tu veux marcher un peu avec moi? Voyons voir si je peux t'expliquer la situation. C'est drôle de voir à quel point les gens n'aiment pas remettre en cause leurs suppositions. Mon frère et moi, on s'en est plutôt bien sortis dans tout ça. Les autres, c'est dans le caractère de peu d'hommes que d'honorer sans envie un ami qui a posé. Oula, un nom bizarre. Là. Un homme envieux qui répand des rumeurs sur ses voisins. Mais bien sûr, parce que c'est une caractéristique habituelle chez les contrebandiers d'armes d'être aussi. Parce qu'on est des hommes d'affaires, on voit à long terme. Tu vois le mec et il te donne tout ce qu'il a dans ses poches, mais si tu lui vends ce qu'il veut, ce dont il a besoin, il continuera à venir te voir pour te donner tout ce qu'il a.
Ouais, normal, quoi. C'est aussi Eichel qui a dit ça. Eichel. Demandons à Mickey. Demandons à Mickey. Hey, salut Mickey. Qu'est-ce qu'il fait? Mickey, notre ami se demande si on n'aurait pas volé nos compagnons survivants. Il semblerait que des rumeurs circulent. Bordel, si ça avait été nous, il n'y aurait plus personne pour répandre des rumeurs. Tu vois rien du tout maintenant, va-t'en, et si on entend quelque chose, tu seras le premier à le savoir. Ok, donc c'était des fausses rumeurs alors. Quittez la zone. Ok, bon, je me casse. C'est bon, je suis parti de la zone. Et maintenant, il se passe quoi? Ah non, c'est cette zone-là, d'accord. Bon, il faut se barrer. Voilà. Mission un peu chiante, parce qu'il... juste en a parlé, puis voilà, c'est tout, quoi. Une horde en face de moi. Non. Vous ne m'abîmerez pas ma voiture. Oh mon dieu, c'était quoi ça? Oula, je veux pas savoir ce que c'était ce truc, mais je me casse. Tu as découvert quelque chose? Job a nié, mais j'ai au moins la certitude qu'ils savent quelque chose. Oh mince. Accusationné. Moins 15 en confiance vis-à-vis des survivants, réputation dans la communauté améliorée. D'accord, donc on perd de la confiance par rapport aux voisins qu'on a eu, mais on gagne de la confiance par rapport à notre base. Là où on est, ok. Bon, c'est pas plus mal. Par contre, là je vois que moral bas, peur. À mon avis, c'est les infestations qui retournent. Ils ont peur de ça, à mon avis. Mais ben, j'ai envie d'aller les défoncer ici. Celle-là, je suis plus près. Le tribunal municipal de Marshall est un endroit sûr, nous avons de la nourriture, un abri, de quoi nous défendre. Qu'est-ce que c'est ça? Apparemment, il y a un endroit où il y a de la bouffe, il y a des abris. Mais ouais, on ira voir une autre fois. Oula, alors cette maison là, il y a pas mal de zombies dedans à mon avis. Oh non, pas ça. Oh non, non. Il faut que j'essaye de la voir avec le cocktail Molotov. Il y en a deux ou je rêve? Ou il a fait le tour? Attends. Oh non. Faut pas que le gros lard arrive, je vais essayer de me faire eux en mode... Hop. Allez, allez, crève. Voilà, c'est bien. Si j'arrive au bout... Oh là, il y a du monde là. Je m'en fous, je balance ça là. Là, il y a trop de monde. Les headshots qui vont bien. J'ai entendu le gros leurre là. Ça ne va pas le faire. Ah, mais il est coincé. Oh my god. F. Crème. 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 Pourquoi je dis crème? Mais il est pas mort? Merde. Oh my god. Il n'est pas mort et je n'ai plus de cocktail Molotov et je suis dans la grosse merde. Il pousse la voiture, tranquille peinard. Oh my god. Oh là 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 là. Ça va être tendu ça les amis, ça va être tendu. Il m'a poussé. Non. Oh my god. C'est Hulk le truc. Boisson énergétique, oui, prendre vite. Bah, prends. Je peux pas la prendre. Qu'est-ce que c'est ce truc?
Oh là 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 là, je vais galérer ça. Lâche-moi! Lâchez-moi! Putain, c'est pas possible. Oh non, j'ai loupé. Oh là 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 là, je suis dans la merde! Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Dernier chargeur, ne le gâchons pas. Ah, super. C'est quoi ce truc là? Ouf, j'ai plus de mission. Super, amazing. Je me casse. Ah, c'est bien, il tue les zombies comme ça à ma place. Oh, l'esquive! L'esquive de Spartiate, quoi! Casse-toi! Allez! Oh là là, l'éjection! Et il va me défoncer là! Oh! Non! Oh my god! Adieu. Oh putain. J'en étais sûr. Oh là 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 là. Je me fais dévorer. Non, j'en étais sûr, putain. Mais c'est impossible à tuer ces trucs. Oh là là. Oui. Pourquoi tu es dans le sol, toi? Tu peux remonter, s'il te plaît? Oh non, je suis dégoûté. Mon afro is dead. Oh non. Du coup j'ai une fille. Pff, je suis dégoûté. Du coup j'ai qui? Maya. D'accord, ok. Moi Maya elle a un fusil. Elle a un revolver. Elle avait plein de trucs en fait. Oh non, c'était vraiment... Ouais, c'était chaud. J'avais plus de munitions, j'avais plus de cocktail Molotov. Je pensais qu'il allait mourir avec juste un cocktail Molotov. J'ai envoyé pas mal de balles et il est pas mort. Donc, pas de chance. Bah tant pis, j'ai mal joué en fait. Tant pis. Là je vois que... Effet personnel, Marcus Campbell. Ah, on peut récupérer les effets personnels quand même. Bon, je vais faire le point et je vais aller récupérer les affaires. Et on va essayer d'arriver au bout de ces infestations parce que... Ça c'est quoi? Ça c'est pour donc ça. Ok, là j'ai un petit sac à dos mais il me sert à rien en fait. Pétard, ça me sert à rien. J'ai ça, ben, je vais en prendre deux, on sait jamais. C'est dommage. Peut-être que j'aurais pas dû utiliser mon cocktail Molotov sur le groupe de zombies que j'avais vu. Moi je voyais qu'il y en avait plein, je me suis dit ça vaut le coup, mais j'aurais dû la garder pour le gros lard. Oh non, mais casse-toi, toi. Pff, oh là là. Mais lâche-moi! Toi, tu vas prendre cher. C'est incroyable, ça. T'as réussi à rentrer dedans et tout. Pff, bon, là, il fait jour, c'est bien. Je suis dégoûté, quand même. Je suis dégoûté, j'ai mal joué. Ah, elle est toute petite dedans la voiture. On voit à peine sa tête qui dépasse. Oh, c'est chiant. La destruction de Horde profite à tout le monde. Bah ouais, mais d'abord je voudrais bien récupérer les affaires de Marcus. Et aussi l'infestation qui se trouve là où j'étais. Ah, c'est vraiment dommage. Trop d'infestations. Oui, bah c'est ce que je vais faire. Vous inquiétez pas, je vais arriver à bout de ces infestations. Vous inquiétez pas. Elle, déjà, elle a l'air un peu plus neuve de voiture, donc je vais prendre celle-là. Là-bas, je vois une Horde là-bas. Je vais la défoncer. Voilà, comme ça, d'urgence, c'est un peu plus.
On sera un peu plus tranquille. Voilà, déjà une horde en moins. Tu veux mourir? Meurs. Voilà. Oups. Allez. C'est bon, j'ai tué deux hordes là, non? Elle fume déjà quoi. Voilà. Horde, j'en ai tué deux. Voilà, ma voiture fume, normal. Je vais aller récupérer les affaires de Marcus qui sont là. Ramasser le sac à dos. Voilà. M'en fous, je fais tout avec la voiture là parce que là j'ai vraiment. Aïe! Allez, on tue tout. Cassez-vous. Oh, il y a du monde dedans, c'est incroyable. Il n'y a plus le gros lard? Il est mort? Il est mort tout seul? On fout, je tue tout comme ça. Ah, parce que là. Oh là là. Mais ça sort à l'infini ou quoi? C'est quoi le truc? Allez, crève. J'aimerais bien voir ce qui se passe dedans en fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vois pas du tout. Parce que là, j'ai tué tout le monde, on dirait, mais il en reste. Et c'est pas, ça a pas disparu sur la carte. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'était un hurleur. Ah voilà. Je l'ai tué et. Press X to drop. Pux. Ouais. What? Ah, c'est pour le poser. Est-ce que je pourrais par exemple le. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Oh my god! Voilà, je m'enferme dedans. Le mec trop intelligent. Maintenant pour sortir, ça va être la galère. Oui. Oh là là, il y a une horde juste derrière. Salut! Raté! Bon bah tant pis, on va se les faire à la main, tant pis. En mode wesh. Allez Maya, tu peux le faire. C'est pas possible. J'ai plus de vie. Ah oh, mais c'est pas vrai. Faudrait que je prenne un peu de. Elle a plus d'énergie là. En plus j'ai. Putain, c'est pas vrai. Je vais mourir, hein, une fois. Hein. Tant pis, j'utilise ma. Allez, je crame dans l'enfer, voilà. Moi aussi, je crame, voilà. Je vais mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? What? Non, elle est morte? Mais il me restait de la vie. Oh non, mais je fais n'importe quoi, moi. Pas vrai. Extermination, vos amis et vous êtes morts. Votre partie n'est pas sauvegardée lorsque. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il est mort lui aussi? C'est quoi là? C'est quoi cette partie? What the fuck? Bon, ben voilà les amis, nous y sommes, y a plus personne. non, franchement, je vais vous dire une chose, j'ai vraiment hésité à mettre cette vidéo, parce que j'ai joué comme un noob. Donc c'était soit je la publie et je passe pour un noob, soit j'arrête là le let's play de State of Decay, parce que j'avais pas envie d'avoir trop de morts, parce que je voulais
vraiment avancé à avoir quelque chose de potable, mais c'est pas grave, je vais utiliser ces fails pour faire des vidéos intéressantes. Enfin, je vais essayer. Donc du coup, ben, on se retrouve avec des personnages qu'on connaît pas, enfin que j'ai jamais jamais joué. Donc Frank Johnson, voilà, ça va être notre nouveau personnage. Alors je vous rappelle que Marcus est mort, découpé en deux. Bon, celle-là encore, j'aurais pu la laisser passer cette mort, mais la mort de Maya, là vraiment, j'ai pas géré du tout. Et puis, je vous rappelle la mort mystérieuse de Ted. Voilà, no comment, il n'y avait même pas de message comme quoi il me disait il a attrapé une gastro, j'en sais rien, il est mort comme ça, il m'a vu, il est mort. Il a vu tellement que je jouais mal que quand il m'a vu, il est mort de peur, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Donc du coup, on se retrouve avec les trois personnages principaux qu'on avait depuis le début. Ils sont morts. Il y avait Marcus, donc Ted, Maya. Et voilà, ils sont morts tous les trois. Je sais pas comment j'ai fait. En moins de 10 minutes, je les ai tués tous les trois. Bref, ben, ça prouvera que ce jeu, c'est vraiment de la survie à l'état pur. Là, on est vraiment en mode vraiment hardcore. Il n'y a pas plus Walking Dead que ça. On n'a pas le temps de s'accrocher au personnage que voilà. Bon, en même temps, il faudrait que je joue mieux pour qu'on puisse s'accrocher un peu plus longtemps. Mais bon, voilà. Non, et puis le coup de la cocktail Molotov dans la maison, c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Je vous déconseille de faire ça. J'aurais dû sortir de la maison, enfin rentrer dans la voiture et me barrer. Je sais pas pourquoi je me suis absolument emprisonné dans la maison. Puis non, mais c'est ma faute, hein, mais j'ai une excuse. Commenter et jouer en même temps, c'est difficile. Je sais pas si bon, il y a beaucoup de youtubeurs qui le savent. Moi, je suis pas encore professionnel dans le commentary, mais je commente pas tout le temps, mais vraiment déjà là, pour moi, comme c'est nouveau pour moi, c'est plutôt difficile de commenter et jouer. Parce que je joue pas comme ça d'habitude, hein, je vous le dis. J'ai déjà fini le jeu. Une fois, là je le fais, genre je l'ai jamais fait pour vous expliquer comment ça marche, mais je l'ai déjà fait ce jeu, et j'avais pas tué autant de personnes. Enfin, du moins jusqu'à la fin du jeu, j'étais quoi, 2-3 morts, mais à ce stade-là, maintenant du jeu, j'avais pas 3 survivants qui étaient morts maintenant, quoi. Donc du coup je suis très mal avancé en fait. Ben voilà, donc je vais on va vous laisser là, enfin je vais vous laisser là, on va se retrouver ici donc avec je me rappelle plus son prénom, Frank Johnson. Donc on va essayer lui de le gérer, je vais essayer de faire de bons trucs parce que là c'est ça va plus. Et puis ben on se dit à la prochaine, faites l'amour pas la guerre, bye. Allez dire au revoir Frank. Au revoir.